Bonjour, je m'appelle Zéro Consommation. Être un consommateur responsable, ce n'est pas facile, c'est un vrai choix. Chaque jour, il faut lutter contre les tentations. Car c'est bien là la difficulté, de ne pas craquer à tout moment. De plus, la terre s'appauvrit et beaucoup de gens sont exploités. Il faut que ça tourne au plus juste. Pourtant, il y a déjà bien des choses que nous faisons, que nous pouvons faire, sans que cela nous demande de trop gros efforts. En voici quelques exemples. Les filles, allez chercher des fruits. Ok. Laquelle vais-je prendre? Celle-là vient de Belgique et celle-là de Nouvelle-Zélande. Enfin, prends celle de Nouvelle-Zélande. Elle a mûri à soleil et elle semble plus juteuse. Mais non, prends celle de Belgique, elle vient de chez nous. Pas de voyage inutile, elle est tout aussi bonne, si pas meilleure. Je vais prendre celle de Belgique. Yes! Laquelle vais-je prendre? Tiens, sur celle-ci, elle a le logo du commerce équitable. Bah, elle est un peu plus chère. Enfin, prends la moins chère. Tu ne vas pas dépenser des sous inutilement. En plus, elle a l'air meilleure. Mais non, n'importe quoi, elle n'a pas l'air meilleure. Prends celle avec le logo du commerce équitable. Les gens qui ont récolté ces bananes ont été mieux payés et pas traités comme des esclaves. À toi de choisir qui tu veux soutenir. Je vais prendre celle-ci, car je veux défendre le commerce équitable. Yes! Salut Cédric, tu veux qu'on t'amène? Il y a de la place. Non merci, papa va me conduire. C'est vrai, va avec ton père, ça va t'irer plus grande, plus luxueuse, plus spacieuse. Tu as la place pour toi tout seul. C'est un peu bête, ta copine nous propose du covoiturage, il n'y aura qu'une voiture qui roule et pas deux. Allez, viens, en plus, on rigole bien. Zazie vient de me raconter une super blague. Oh, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Papa, tu ne dois pas te déplacer, je pars avec mes amis. Hey, salut les gars. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde la nouvelle 3DS. Ce soir, je demande à mes parents pour la voir. En plus, j'ai mis un super beau bulletin. Moi aussi, je la veux. Je vais embêter mes parents avec cette histoire de DS. Ils vont bien finir par craquer. Ouais, j'en ai déjà une, mais celle-là est mieux. Je vais demander à mes parents pour la voir. De toute façon, j'ai tout ce que je veux. Mais oui, tu as raison. La tienne est démodée depuis au moins 4 mois. Et toi, vas-y, insiste auprès de tes parents. Tu vas les avoir à l'usure. Et toi, tu as eu un super beau bulletin. Tu mérites au moins ça. Bravo, tu as eu un beau bulletin. Mais est-ce que tu dois absolument recevoir quelque chose en échange? Et toi, c'est normal que tu en aies envie, mais on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Et toi, tu as de la chance d'en avoir une, mais est-ce que tu dois... Mais imaginez, il y a des enfants de votre âge qui travaillent pour fabriquer ces jouets. En plus, dans de mauvaises conditions et avec des matériaux mauvais pour la santé. Et alors, chacun ses problèmes. Oui, mais aimeriez-vous échanger votre place contre la leur? Et les gars, on n'irait pas plutôt aller jouer au foot? Waouh, tu as vraiment un beau t-shirt, il est trop chouette. Oui, et en plus, il m'a coûté que 3 euros. 3 euros? C'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est tout à fait normal. 3 euros, tu fais une affaire. Demande le magasin où il a acheté. Va t'acheter le même. Non, non, 3 euros pour tout ça, c'est pas possible. Réfléchis. Si tu achètes le t-shirt à 3 euros, et qu'en plus, il vient d'Asie, imagine ce qu'a dû être payé. Celui qui a fabriqué, ou pire, celui qui a récolté le coton. Pour faire ce t-shirt, il a fallu 1. Récolter le coton. 2. Le nettoyer. 3. Le tisser. 4. Le teindre. 5. Couper le t-shirt. 6. Le coudre. Et prendre l'avion pour revenir jusqu'à nous. 3 euros pour tout ça. Il y a bien des gens qui sont exploités là derrière. Mais c'est leur problème, pas le nôtre. Et vous, qu'en pensez-vous? Ah oui,
Ça vaut la peine de payer le prix juste. La prochaine fois, j'y penserai. Merci. Vous voyez, ce n'est pas si difficile d'être un consommateur responsable. Ne pas être des moutons, dire non à certaines tentations. Mais il faut vraiment choisir et réfléchir. Je suis sûr qu'ensemble, on peut y arriver pour que cela tourne plus juste. Il ne faut pas voir que les beaux côtés. Bien sûr, notre monde manque d'équité, mais ça peut changer.